Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver en direct sur KTV. Nous sommes le mercredi de septembre et à la une de cette édition, le chaos s'est une nouvelle fois installé sur les routes de Lille. Comme hier, suite à l'absence de ramassage scolaire, des barrages ont été érigés à plusieurs endroits du département. La violence n'a pas tardé à faire son apparition avec, comme toujours, des individus qui se sont greffés au désordre. Caillassage, véhicules incendiés, agressions, raquettes, menaces. Une poignée d'individus a semé la terreur de longues heures durant. Récit de cette journée, pas comme les autres, avec Daniel Dunon, Patrick Mihan et Leslie Vimonet. Nouvelle matinée de chaos au sein du 101e département. Une de plus, une de trop. Les mois passent et les limites sont franchies les unes après les autres. Pour protester contre l'absence de transport scolaire dès 4h30, les premiers barrages ont été érigés sur les routes. À Longoni, les grévistes de Matiste étaient, eux, toujours en place sur le piquet de grève. En fait, ce sont des conducteurs qui sont en contrat à durée déterminée. Oui. Ils avaient déjà travaillé avec nous avant cette histoire. Donc c'est des gens que vous connaissez. C'est des gens qu'on connaît. Oui. C'est surtout la manière où la direction a réagi. En fait, ils ont profité de la faiblesse de certains. Oui. Ils voulaient nous mettre en erreur parce qu'ils sont allés voir des huissiers pour leur dire que nous, on a condamné les portes et on ne laisse personne entrer ni sortir. Mmh. Le souci, c'est que nous, on n'a jamais fermé quoi que ce soit. Et on n'interdira personne à venir prendre son bus pour aller travailler ou sa voiture pour aller travailler. Les personnes qui sont volontaires, bah, qui viennent récupérer leur véhicule. Mais ils sont revenus après, ils sont sortis avec les bus, ils sont revenus. Ils sont allés déposer les bus un peu plus bas. Ouais. Ils sont revenus en disant qu'ils ne reprennent plus le bus. Donc les bus sont garés sur la route là-bas. D'accord. Et pourquoi ils ont changé d'avis? Bah, ils ont peur pour eux. Ouais. Parce que nous, on leur a fait comprendre qu'ils sont en train de tuer notre avenir, notre grève aussi. Malgré le désordre créé par l'absence de ramassage, les grévistes refusent d'être tenus responsables du chaos qui a pris corps ce matin. Non, on n'est pas responsable. Les responsables, ce sont les élus qui sont incapables de faire... Oui, mais c'est quand même vous qui faites grève. Oui, mais nous, on fait grève, on ne sort pas sur la route, on est sur notre dépôt, on ne bouge pas. La matinée avançant, la tension est montée d'un cran. Doujani, Trevani, Kungu, Magicavo, les points de blocage se sont en effet multipliés. Et si les forces de l'ordre se sont rendues sur place, elles ont eu bien du mal à remporter la bataille du jeu du chat et de la souris. Un barrage de feu, et dès qu'on sortait le téléphone pour faire une photo ou tenter de faire quelques images, forcément ça caillassait de suite. C'était des menaces verbales, puis physiques. Donc à un moment donné, on est obligé de couper. Et puis les gendarmes sont arrivés. Et là, on a assisté à une scène absolument incroyable. Les gendarmes sont arrivés à plusieurs camions. Et là, ils ont pris une pluie de cailloux en traversant Magicavo Dubaï. C'était tout simplement... incroyable, simplement incroyable, d'une violence extrême. On entendait les chocs des pierres sur les véhicules. Les jeunes sur les barrages ont fait la loi plusieurs heures durant, n'hésitant pas à caillasser et même incendier certains véhicules. Les journalistes de la rédaction ont notamment été pris pour cible par des individus bien décidés à faire la loi. Sur Magicavo Dubaï, je suis monté sur les hauteurs pour discuter avec les gens, pour essayer d'avoir une autorisation de tournage. Vous vous rendez compte, l'autorisation de tournage, pouvoir tourner des images, évidemment ça a été refusé, j'ai pu m'entretenir avec ces jeunes, et là pour le coup, j'ai discuté avec des jeunes qui faisaient la loi, mais des jeunes qui étaient âgés de quoi, 13, 14 ans, 15 ans, 16 ans maximum. Là c'est pas des choses qu'on nous a racontées, des choses que j'ai vécues, je suis allé sur place pour m'en rendre compte. Et là, il y a quelque chose que je ne comprends pas, je vous le disais tout à l'heure, ces pneus qui sont mis en place, ça peut pas être, ou alors c'est... C'est des pneus qui ont été mis en réserve depuis des jours et des jours. On va tourner pour montrer effectivement ce qui se passe du côté de Magicavo Dubaï. Voilà, c'est les fameux pneus dont je vous parlais à l'instant. Ben, c'est ça qui fait cette fumée noire que l'on voit depuis tout Mayotte, hein, quasiment. Hein. Mayotte a une nouvelle fois sombré dans le chaos, comme une histoire qui se répète, orchestrée par des individus sans foi ni loi. Et alors que le chaos s'intensifiait sur l'île, les transporteurs scolaires étaient enfin reçus par le conseil départemental pour faire part de leurs doléances. Les chauffeurs scolaires demandent toujours à ce qu'une clause de reprise des employés soit inscrite dans le cahier des charges du nouveau marché des transports. Dans l'après-midi, une médiation a pu se tenir à la préfecture pour tenter de résoudre le conflit au plus vite. Un sujet signé Paul-Arthur Avit.
Ce matin, les transporteurs scolaires ont enfin pu rencontrer le directeur général adjoint en charge de l'aménagement du conseil départemental pour pouvoir discuter de cette fameuse clause non présente sur le nouvel appel d'offres du marché public. C'était une réunion technique avec le DGA en charge de l'aménagement, quelque sorte de transport, de savoir, de dénouer, de prendre tous les points aujourd'hui des revendications et les exigences des revendications. Donc nous avons énuméré toutes les problématiques au sein de ce cahier des charges. En particulier la reprise du personnel par le futur attributaire du marché public du transport scolaire, mais aussi les acquis sociaux que ceux-ci ont pu avoir au fil des années. Le maintien de nos acquis sociaux, donc c'est le grand axe de notre revendication. Donc nous, on n'a pas changé cette revendication depuis qu'on est en grève. Donc notre principale revendication, c'est la reprise du personnel et les acquis sociaux, nos avantages acquis sociaux. Donc pour l'instant, donc ça a été, au vu du service technique, il n'y avait pas trop d'ambiguïté, mais on attend la décision politique. Une décision qui, au moment du tournage de ce sujet, est en cours de discussion au sein de la préfecture entre le préfet, les représentants des transports scolaires et ceux du conseil départemental. À noter que faute d'accord, le préfet est parti à Longoni en personne à l'issue de la réunion pour convaincre les grévistes de mettre fin au mouvement. Et hier après-midi, le ministre des Outre-mer recevait les représentants de Mayotte, rue Oudinot à Paris. Au cœur des discussions, bien évidemment, l'insécurité, mais également l'immigration, la crise de l'eau ou encore les finances publiques. D'autres rencontres sont prévues afin de trouver des solutions pérennes, le tout avec un horizon qui commence à s'esquisser, 2031 pour les 20 ans de la départementalisation. Les images sont signées de nos correspondants d'Outre-mer News, au montage Leslie Vumenet. Les quatre parlementaires de Mayotte, le président de l'Association des maires ainsi que de représentants du conseil départemental étaient présents hier après-midi au ministère des Outre-mer. Le ministre Sébastien Lecornu souhaitait rencontrer les représentants de Mayotte afin notamment d'aborder le sujet brûlant de la sécurité. Il a compris et comme je vous l'ai dit, il nous demande de nous revoir à un rythme très régulier, sans tenir compte des échéances qui arrivent, sauf la période de réserve bien sûr, mais qu'on continue à travailler de façon à arriver le plus rapidement possible à un apaisement du territoire. À l'issue de 2 heures d'échange, notamment sur ce thème de la sécurité, 3 sujets sont essentiellement ressortis. Capitaliser sur le plan de relance économique et sociale, assurer un meilleur contrôle du flux migratoire et accorder un renfort de policiers. Si ces pistes ont été retenues, il convient maintenant de mettre des moyens et trouver des solutions communes avec les élus du territoire. Nous ne voulons pas revenir ici à chaque fois qu'il y a des poussées de fièvre. Nous avons assis une méthode de réflexion pour les 10 années à venir, pour toutes les années à venir, mais pas de façon simplement ponctuelle. Donc tout cela, si nous avons pris autant de temps pour échanger, c'est que les choses ont été claires et que ça ne va pas, bien évidemment, se décider en une réunion. Mais la méthode qui a été mise en place, c'est de se voir fréquemment. Bien évidemment, nous attendons ces mesures fortes après la concertation avec les élus locaux. Si la sécurité a occupé une large part du débat, d'autres sujets d'importance ont également pu être abordés avec les élus du territoire. Ce n'est pas simplement la sécurité ou l'insécurité, mais on a parlé aussi de tout ce qui est développement, tout ce qui est les infrastructures, les grosses infrastructures, le port, l'aéroport, et puis tout ce qui est les finances publiques. Quelle doit être la place de Mayotte dans la République à l'horizon 2031? C'est la question posée par le ministre avec une invitation à y réfléchir de manière collégiale. Pas question de revenir sur les acquis de la départementalisation, mais une volonté de se poser les bonnes questions pour apporter les réponses adaptées et trouver des solutions rapides et plus efficaces. Tout un programme.
Et place maintenant au reste de l'actualité locale, avec notamment des assises du sport à Pamandzi ou encore une journée de découverte et de détente au sein d'une exploitation agricole. Au montage, Leslie Vumenet. Non à la soumission, tel est le nouvel intitulé du dernier communiqué de la CGTMA dans le cadre du conflit ouvert chez GBH. Pour mémoire, depuis le 20 juillet 2020, à l'appel de la CGTMA, les salariés du groupe Bourbon Distribution Mayotte, rachetés par GBH, sont en grève pour une augmentation des salaires, l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou encore l'amélioration de la qualité de vie au travail. Selon le syndicat, je cite, la direction du groupe refuse d'ouvrir des vraies négociations et engage des procédures judiciaires contre les salariés en vue de casser la grève et de ne pas répondre aux revendications complètement légitimes posées. La CGTMA, pour venir en aide aux salariés en grève depuis 6 semaines, sollicite une solidarité auprès de toutes et tous, organisations comme particuliers. Tous ensemble, changeons la logique du système antisocial installé dans notre département. La nouvelle équipe municipale de la commune de Pamandzi a décidé d'organiser la première édition des Assises du sport de Pamandzi. Cet événement se déroulera le samedi 5 septembre à la place des congrès de 8h30 à 11h à Pamandzi. La matinale portera sur les associations sportives et aura pour but de dresser un constat du sport à Pamandzi et d'échanger avec les différents administrés. Le programme de la matinale traitera également les thématiques suivantes, la place du sport à Pamandzi et sur Mayotte, le sport santé, le sport handicap, le sport et la cohésion sociale, le sport nature, les équipements sportifs et les infrastructures. Cette matinale s'adresse à toutes les personnes ayant contribué au sport à Pamandzi, aux dirigeants et aux licenciés de clubs sportifs. Pour rappel, la nouvelle municipalité a fait du sport l'un des points phares de son programme pour occuper la jeunesse, lutter contre l'oisiveté et former les futurs sportifs du territoire. Le dimanche 13 septembre prochain, de 9h à 16h, le Jardin d'Imani et l'Office de tourisme du Centre-Ouest organisent une journée de découverte et de détente dans une exploitation agricole. Au programme, collation de bienvenue suivie de la cueillette des fleurs d'ylang, distillation des fleurs, démonstration de tressage de paniers aux feuilles de cocotier, repas traditionnel plus voulet à volonté. Le tout sera suivi d'une promenade digestive dans l'exploitation. La journée se clôturera avec la vente de quelques produits de l'exploitation. Rendez-vous devant le stade de football de Combani à 8h45, départ prévu à 9h vers le jardin d'Imani qui se trouve à environ 10 minutes en voiture du village. Le tarif est fixé à 40€ par personne de plus de 12 ans, 20€ pour les 3 à 11 ans et gratuit pour les moins de 3 ans. Pour toute information ou réservation, vous pouvez notamment contacter le 06 34 23 75 51. Santé et économie avant de clore cette édition. Le nouveau protocole sanitaire qui concerne toutes les entreprises est entré en vigueur ce matin. Le principe est simple, le masque est obligatoire partout ou presque. Cependant, les règles ne sont pas toutes les mêmes selon que l'on travaille dans un département classé vert, orange ou rouge. Alors comment s'est passée cette première journée masquée? Quelles sont les règles à respecter? Élément de réponse avec nos confrères. Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Quasi.